Bonjour à tout le monde. Ce sujet sur les relations est très délicat. Donc, il ne peut être abordé que avec des personnes qui comprennent déjà le sens de ce qu'on appelle destinée, ce qu'on appelle mission de vie. Voilà. Donc, bonjour, bienvenue. J'espère que vous avez bien dormi. Nous sommes au deuxième jour de jeûne. Oui, on a commencé le jeûne hier. Hier à minuit. Donc minuit aujourd'hui, on a fait, on a prié à nouveau. Donc on prie à 12h, 18h et minuit. Et hier, particulièrement en journée, j'ai eu beaucoup de messages de plusieurs personnes qui étaient dans des sortes de dépressions. Et il y a une en particulier qui m'a fait un message qui m'a beaucoup. C'est une femme que je trouve particulièrement très forte. Mais quand elle a fait le message, j'ai senti que elle devait avoir des attaques mentales. Et ces attaques devaient sûrement faire qu'elle doute d'elle. Donc je demande la clarté. Je demande la présence du Saint-Esprit. Je chasse toute mauvaise énergie. Et que le message que j'ai pour vous puisse vous atteindre et vous aider à continuer dans la direction que vous avez commencé. Je chasse tout mauvais œil. Aucune arme forgée contre vous et contre moi ne va prospérer. Voilà. Vous savez, les femmes aujourd'hui, avec le cadre et le contexte de la société, on se retrouve, je ne vais pas dire piégé, mais pardon, on a tellement à faire. Surtout, même pas que surtout. J'ai rencontré des femmes en Afrique qui ont les mêmes challenges des femmes qui sont en Europe. Donc je ne dirais même plus que surtout celles qui sont en Europe parce que je pense que ça devient, et si tu as ce bar de same, c'est la même chose. Voilà. Et en l'absence de vision, en l'absence de bons conseils, ce qu'on appelle sound advice, les Anglais ont une façon de. Ils ont un mot qu'ils ont trouvé pour eux. Quand quelque chose est pur, limpide, bien pour toi. They call it sound, sound advice. Et dans notre société aujourd'hui, c'est pas parce que vous voyez quelque chose sur TikTok que la chose est bien pour vous. C'est pas parce que vous voyez, je ne sais pas, vous regardez dans votre quartier, vous voyez un couple, vous dites, oh, ils ont fait une belle maison, ils ont eu 5 enfants, voilà, ils ont déjà 60 et 70 ans, ils vont vieillir ensemble, ils vont mourir ensemble. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où les gens commencent à comprendre, à désirer connaître leur mission de vie. À l'époque de ta mère ne connaissait pas les affaires de mission de vie. Tout ce que ta mère voulait, mettre la nourriture sur la table, vous manger, vous êtes parti à l'école, est-ce que vous êtes habillé? Et si un père, si le père est là, c'est bon. Ou bien si un petit père au quartier là-bas, que de temps en temps, il se voit en cachette. Tu grandis, tu vois ta mère, tu manges jamais vu ta mère avec un homme. Je dis que ah, peut-être ma mère peut-être que depuis que mon père est parti, ma mère n'a pas. Non. En fait, parce que les temps ont changé. Et il est important qu'on comprenne qu'on est en train de vivre les rêves de nos parents, de nos grands-parents. Et on vit même les choses que ces personnes n'avaient pas imaginées. Donc attendez un peu, s'il vous plaît.
Bonjour Béatrice, je vais bien. Bonjour Gloire, bonjour. Ceux qui sont sur TikTok, je vous ai demandé d'aller vous abonner sur mes autres réseaux. Juste au cas où un jour vous levez et puis TikTok ne marche pas. Et parfois TikTok bug beaucoup. Donc sur ma bio, vous allez voir le lien pour YouTube. Le lien de ma page YouTube est dans la bio. Vous abonnez là-bas. Ton corps a des capacités. Et le corps de ta mère avait des capacités. Le corps de tes tantes avait des capacités. Ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Mais il y avait un message que ces personnes n'avaient pas entendu. Il y a des choses qu'on n'avait jamais dit à ces personnes-là qu'elles peuvent faire. Maintenant, ce que les réseaux sociaux ont fait, c'est quoi? Les réseaux sociaux nous ont permis de communiquer. Tu te mets à Bafoussam ou tu te mets au Kenya, tu te mets, je ne sais pas dans quel pays d'Afrique. Tu vois les révolutions qui se passent aux États-Unis. Les gens qui sont aux États-Unis peuvent partager leur mindset, leur esprit avec toi. Ce qui fait que ça te réveille. Et quand tu te réveilles, tu comprends, tu commences à te dire, c'est vrai que j'ai grandi dans un bidonville. C'est vrai que je suis au village. Mais ce qui est en toi commence à se réveiller. Tu commences à vouloir plus. Tu commences à désirer plus. Malheureusement, je vais être, vous allez appeler ça féministe ou sexiste aujourd'hui, mais je vais parler des challenges que les femmes endurent. Parce que en tant que femme, si vous allez dans les églises, vous allez voir qu'il y a plus de femmes que d'hommes. La femme a cette capacité à s'ouvrir plus rapidement. La femme s'ouvre donc. Étant donné que la femme est comme un incubateur, tout ce que tu déposes dans la femme, elle va mûrir. Elle va mûrir la chose. Et ça va porter fruit. Et on se retrouve dans une société où les femmes cherchent plus ce qu'elles sont censées faire, qui elles sont, pourquoi elles sont nées. Si on te parle de mission de vie, sur un homme qui achète un programme de mission de vie, ou de découvrir ses talents, ou de connaître pourquoi elle est sur la terre, tu vas avoir 25 femmes qui vont acheter. Donc tu as plus de femmes qui désirent connaître qui elles sont, développer tout ce qu'elles ont en elles. Et quand tu combines à ça le fait que dans la société aujourd'hui, on a tourné les choses de telle façon que si une femme a un homme à ses côtés, elle doit se sentir chanceuse. Je ne dis que ce que la société nous met à là. Ah, tu n'as pas de gars. Oh, pauvre de toi. Oh là là. Le père des enfants t'a quitté. Oh. On ne veut pas savoir quelles sont les conditions dans lesquelles tu vivais dans la relation. Et vous savez, vous-même là, je suis sûr qu'il n'y a pas de femme ici là, que vous connaissez les relations que vous avez traversées. Souvent, tu te mets avec un homme, il ne connaît pas là où il part. Tu demandes que papa, on se voit où dans 5 ans. C'est même toi qui cours encore pour aller acheter le terrain, que papa, l'argent qu'on a, achetons le terrain, non. Si quelque chose arrive aujourd'hui, nos enfants vont faire comment? Il n'a pas de vision. Et il y a toujours ce truc, cette paresse, une certaine paresse. Je ne sais pas si la paresse, paresse spirituelle ou fait. Je ne sais pas, mais il y a cette paresse que les hommes ont. Je m'appelle ma meilleure amie. Je ne parle pas de courir ou quoi que ce soit aujourd'hui. Je parle de relations seulement. Tu as compris? Je crois que je vais peut-être faire. Je vais commencer à faire des petites vidéos pour TikTok. Pour vous, parce que j'ai des jours où je me mets, je fais des sujets et je ne parlerai pas de vos sujets à vous. Donc va sur une de mes vidéos, tu me fais des questions. Je vais choisir quelques questions sur TikTok, je vais répondre aujourd'hui. Mais je ne veux pas dérailler du sujet que je suis en train de parler, ok? Donc je m'excuse ma chérie, tu as demandé les courriers, je ne vais pas dérailler de ce que je suis en train de dire. Je suis suivie par beaucoup de femmes. Je suis suivie par beaucoup de femmes. Parfois, ces femmes-là se disent que
Je suis parfaite. Je vous dis toujours, vous connaissez mon histoire, parce que mon histoire est sur ma page, je l'ai mis là, je ne l'ai pas caché. Toutes les fois où j'ai arrêté, je suis sortie d'une relation. C'est parce que je me suis rendu compte que le vision, la personne avec laquelle j'étais n'avait pas de vision. La personne ne voulait même pas acquérir une vision. La personne ne voulait pas faire de travail sur lui. On dit développement personnel. Ça veut dire que la vision est comme un muscle. Tu ne peux pas rester, tu es chétif, tu es comme ça. Chaque fois que tu me dis que je veux grossir, je veux des muscles. Hein? Il faut que tu partes à la gym. Hein? Ça fait 3 ans que tu me dis que tu veux partir à la gym. Mais arrête, ne me prends pas pour une conne. Je veux du muscle. Premièrement, j'arrange mon régime. Je prends un régime protéiné, je ne sais pas trop quoi. Je me documente même. Je vois ce qu'il faut que je mange. Je cherche la salle, je m'installe, je m'inscris dans la salle. Donc, le mari de ma meilleure amie, un jour, je le suis pas en train de dire. Non, c'est ma copine me dit, voilà. Ma copine me dit qu'il a dit un jour à ses amis, voilà, moi je pars souvent en boîte de nuit parce que je sais que j'ai une femme qui prie. Moi je sais que ses prières vont me couvrir. Je dis waouh. Waouh. Chacun choisit son chemin. Tu peux avoir 2 amis ou 2 sœurs. Vous avez grandi. La famille, vous savez que les familles africaines, généralement, oh, ces 2 sont mariées, elles ont réussi leur vie. Ah, elle là, maman, on ne sait même pas ce qu'elle fait là-bas en Bengue depuis. Elle était dans 3 mariages. Donc, pour eux, c'est que dès que la personne s'est mariée, c'est fini. Imagine, je te marie à 25 ans. Hein, ma chérie, 25 ans. Bonjour, m'a dit merci. À 50 ans. Et le truc, c'est que. Oh my God. J'ai eu ça tellement de fois. Tu vois, quelqu'un qui est marié, qui te snobe seulement parce que je suis mon mari. Mon mari. Tu ne sais pas ce qu'elle subit quand elle est à la maison. Et quand toi, tu as essayé ça 1 fois, 2 fois, tu es arrivé à l'intérieur, tu as vu que yeah, c'était le piège. Le gars, il ne m'amenait pas quelque part. Tu demandes, oh dame, ha, que tu pars où, papa, on part où? On va voir, c'est dans ma tête. Il y a des hommes qui vont vous menacer, vous traiter d'insolente, que tu le manques de respect parce que tu l'as simplement demandé où est-ce qu'on va. Parce que tu as dit asseyons, nous faisons le bilan. Ça fait 2 ans. Tu travailles, je travaille. On est mariés, qu'est-ce qu'on a fait? On va où? Je n'insulte pas le mariage. Mais je voudrais que chaque, parce que écoutez mesdames, on vit une fois. On vit une fois. Ma chérie, dès que ta vie passe là, c'est fini. Hein? Et si tu as même la chance que tu vis jusqu'à la fin, parce que si tu mets en route, il prend une autre femme et continue sa vie. C'est pour ça que pour certains d'entre vous, Dieu a même arrêté de vous parler. Dieu a arrêté de mettre les rêves en vous. Parce que dès que tu te lèves, tu dis voilà là où je pars. Et certains d'entre vous, c'est des visionnaires. Oh my God, quand il parle de la chair de poule. Vous avez des dons. Vous avez des talents. Je veux vous créer des orphelinats. Je veux ouvrir une école pour les jeunes filles. Moi, vraiment, j'ai souffert. Et généralement, ça sort de ton expérience. Pour moi, quand je grandissais, ma mère est morte très tôt. Je n'ai eu personne pour me guider.
Ce qui fait que je veux redonner quelque chose aux enfants de mon village. Je veux redonner, I want to give back. Even if they didn't give me anything, I want to give. Même si mon village ne m'a rien donné, ma société ne m'a rien donné, je veux leur donner en retour. Même si non, non, je veux donner, même pas qu'en retour, je veux donner. Je veux planter quelque chose qui va aider les gens à être meilleurs. Vous savez que dans 99% de vos relations, dès que vous dites ça, ça devient des problèmes. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a créé quelque chose ici de haut, qui a impacté les gens, sans avoir vu. Sans avoir vu. Sans avoir planifié. C'est comme ça qu'on vous prend pour les folles. Ça marche peut-être pour d'autres personnes. Il y a des femmes qui vont tomber sur mon message, elles vont se dire, ah, la fille de Baba de Chou. Elles vont partir. Ce n'est pas leur temps, ce n'est pas leur moment, ce n'est pas leur truc. Peut-être dans 5 ans, elle va retomber sur ma vidéo, elle va dire, hey, this is for me. Mais je suis en train de, je veux m'adresser ce matin à ces femmes. Parce que ça fait c'est une bataille mentale. Hein. C'est une bataille mentale. Tu te lèves le matin, ton beau-père, ton père, ta tante, ton oncle, tous ceux qui sont dans ton environnement, ils vivent seulement pour vivre et voir le lendemain. Ton mari, il n'aime pas quand tu parles de projet. Dès que tu dis vision, chérie, voilà, tu as le diplôme, j'ai le diplôme. Essayons de faire l'immigration pour partir. Au Canada, on continue là-bas, on fait des trucs. Dès qu'il y en a parmi vous, je reçois encore ça dans mon esprit. Tu planifies quelque chose, il a l'art de détruire ce que tu as construit. J'ai vécu tout ça. Hein. Moi, je peux parler parce que et j'ai aussi des personnes que je suis dans les consultations. Le truc, c'est que vous aimez quand les gens viennent sur les réseaux sociaux et vous disent, ils vous parlent de vous seulement. Il ne vous parle pas d'eux. Je peux tellement vous parler de mon cœur parce que ça, c'est des choses que j'ai vécues et j'ai encore vécues. Tu te mets, tu construis, tu commences à avoir une vision. Tu commences à mettre ça, tu dis ok. Supposons que tu commences à faire un petit groupe de prière chez toi. Ou bien tu fais une petite association de 4-5 personnes. Tous les mois, vous faites un don dans un orphelinat, dans un hôpital, dans un je ne sais pas quoi. Il arrive dans ta vie, il voit comment tu as commencé. Non, il n'y a pas de problème, chérie, fais. Fais. Après 2 mois, 3 mois, tu mets trop d'argent dans ça. Hein. Tu es quel genre de femme? Quand tu es arrivé, j'avais commencé à creuser en moi. J'avais commencé à creuser pour voir qui je suis. J'avais commencé des choses. Combien d'entre vous avez fermé vos magasins? Vous avez arrêté vos procédures? Il y a une même, je l'ai consultée l'autre jour. Elle me dit, son mari, il est jaloux jusqu'à... Donc elle m'a dit que sa vie c'est... Elle quitte de la maison, le chauffeur l'amène au travail. Et le travail même, c'est le travail de son mari. C'est un truc que son mari a ouvert. Donc elle gère une des entreprises. De là-bas, elle mange, elle finit, elle rentre à la maison, nourriture, enfant, lit. Elle dit que ça fait 1 an qu'ils n'ont même pas, donc ils n'ont même pas touché dans la maison. Dimanche, église, maison. Église, maison. Elle dit qu'elle était en Europe, elle a laissé tout. Elle dit viens, viens, viens en Afrique, non tu vas rester, hein? Viens, viens. Elle a porté ses pieds, elle est rentrée. Puis. Quand elle arrive, elle fait quelques temps, c'est là qu'elle voit les vases que le monsieur lui montre. Belle, visionnaire. La première chose que tu vas perdre, c'est la confiance en toi. La première chose. Gonna snatch it out of you. Et tu sais qu'il y a des mots que quand on te dit constamment, tu finis par les croire.
tu finis par les croire. Ah, tu n'es pas une bonne femme. Tu es trop têtue. Je suis têtue si je te demande qu'on s'asseye pour voir comment on va planifier un plan pour économiser pour nos enfants. Qu'on voit comment on va acheter peut-être quelques trucs. On fait des investissements pour nos enfants. Tes enfants et mes enfants. Chérie, on a quel plan? Toi et moi, on sait comment on a souffert parce que nos parents n'avaient rien planifié pour nous. Chérie, tu sais comment tu as ouah avant d'être là où tu es. Pourquoi quand tes enfants ont 3, 4, 5 ans, 10 ans, tu ne crois pas mettre des choses sur pied? Ah, tu es trop insolente. Il dit qu'il ne veut pas parler de ça. Je ne veux pas parler de ça. Sans te gifler. Sans te gifler. Vous savez, je n'ai pas dit que tous les hommes sont comme ça. Mais ce que je dis, c'est que ne te méprends pas, ne. Tu peux faire volte-face, tu t'abandonnes. Tu abandonnes ce que tu. How do I say this? L'essence de qui tu es. C'est pour ça que vos mères se retrouvent à 50 ans avec le cancer du sein. 50 ans, ta mère a le cancer du sein. Qu'elle a cru. Parce qu'elle a refoulé ça pendant des années. Ça, c'est plus que ça, c'est un combat que j'ai dû mener dans ma propre vie. Je vous dis encore, quand vous me voyez ici sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas la bataille que ça demande de mon côté. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas. C'est trop. Les conséquences sont trop lourdes pour certaines. Aujourd'hui, les hommes sont habitués. Je ne rationne pas. Elle va donner l'argent à la maison de toutes les façons. J'ai pas payé la pension des enfants. En septembre, octobre, je me rends compte qu'elle a tout payé. Il y a un laxisme là. Et parfois je me dis, mais attends un peu. Quel est le respect que tu veux? Tu veux quel respect? Le matin, tu sors, tu me te demandes parce que tes enfants vont manger. Tu veux que le soir, je respecte quoi sur toi? Il y en a parmi vous. C'est seulement qu'il manque le sexe pour aller. Tu manques seulement le tout pour aller te faire l'amour toi-même. Parce que toutes les autres choses que tu fais, tu es l'homme, tu es la femme, tu es le père, tu es la mère. Et tu es habitué. You're just doing it, you know, you're just going with the flow. Tu ne te rends même pas compte. Ose tirer la sonnette d'alarme. Ose un peu dire que c'est bon, que enough is enough. Like, that's too much. Ose un peu. Les femmes subissent trop d'abus mentaux. Et de dire que tu es une femme, que tu veux oser changer quelque chose. Tu veux impacter les gens? Tu as appris ça où? Tu sors d'où avec ça? Il y a des femmes que vous voyez sur la toile ici là. Hein? Les traumatismes qu'elles ont dû subir pour être devant vous. Elles sont en train d'en guérir. Little by little. Si tu as désiré mieux,
Tu as grandi dans la souffrance peut-être. Tu ne sais même pas comment tu as fait pour te retrouver au Canada. J'ai consulté une dame comme ça l'autre jour. Quand je voulais lui rembourser son argent. Elle me demande que tu veux la consultation, pourquoi? Elle me dit, pour l'amour, l'amour. Je dis, ma chérie, quand elle te voit là, tu es encore faible. Je parle de mission de vie principalement d'abord. Après, elle me dit que non, pardon, pardon, oui, on fait la consultation. Elle est arrivée en Bénin. Il n'est même pas posé le pays. Avant son gars. Je crois qu'elle avait 3 ans, il est venu. Et à entendre ce genre qu'elle a supporté sûrement, financièrement. Parce qu'il y a des choses qu'on fait parfois, on a honte de dire aux gens. Et quand le gars finalisait ses choses et pour trouver sa maison, il avait prévu de partir même dans une autre ville. Il ne voulait même pas venir là où elle est. Elle ne savait pas. Il arrive en bain. Hé, hey, mon bébé est venu. Hé, hey, contente, contente. Pam, elle porte l'enfant. Il se lève un moment et dit que non, j'ai trouvé mon truc, je pars dans l'autre ville. Le film dans la tête de la femme, c'était que non, voilà, mon mari est venu, on va s'installer, on va faire notre vie. Le film dans la tête du gars, c'était différent. Là, il me dit, me voici avec un enfant. Il a moins de 5 ans. Je ne vais pas donner trop de détails parce que je sais que je connais que les gens me suivent. Vous, si vous me suivez en cachette, vous ne commentez pas mes vidéos, vous ne likez pas, mais je vous connais, je sais que vous suivez. Après, vous partez blâmer les gens qui sont venus me parler. Et la nuit, là, elle pleurait seulement. Elle pleurait. Je dis, ma chérie, ferme, arrête. Les cartes que j'ai tirées pour la dame, il demande que. Je lui ai dit que tu ne vas pas comprendre tout ce que je te dis maintenant. Enregistre où tu écris quelque part. Mission de vie, aider les gens. Dirigeante. Elle dit, voilà, quand il est arrivé ici, tout ce qui se peut, il se plaignait toujours que je suis trop imposante, que je suis trop. Non, parce que tu sais là où tu vas, ma chérie. Tu sais là où tu vas. Bonjour, Adoku. Tu connais là où tu vas. Et c'est ce que tu lui imposes. Parce que, ma chérie, tu es responsable de ta vie. Si pour paraître ou pour être paresseuse, tu laisses que cette vie soit influencée par une autre personne. Tu vas te retrouver après avec plein de regrets. Cette dame dont je vous parlais, qu'elle faisait boulot, maison, église le dimanche, elle me dit que voilà, le mari lui a annoncé qu'il veut prendre une deuxième femme. Il a annoncé, il n'a pas demandé. Et signé, oui, que je vais prendre une deuxième femme bientôt. Donc quand il vient me dire, elle te dit, je crois même qu'il a même trop respecté. Donc elle me dit que maman, je suis en tournée, je suis allé en Benfica quelque temps. Quand je rentre comme ça là, c'est pour bien mettre la deuxième femme à côté de moi bien. Je ne sais même pas là où elle va vivre. Je ne suis pas contre le mariage pour le mariage, contre le célibat. Tout ce que je vous dis, c'est ceci. Utilisez, don't blame yourself. Ne t'en veux pas parce que tu désires quelque chose de mieux. J'ai souffert, j'ai traversé ceci. Je suis arrivé en Europe, ça, j'ai pris même 10 ans avant de m'installer, d'avoir une situation. Maintenant, je veux créer une association qui va aider les jeunes filles qui arrivent en Europe. Tu rencontres un homme, il te dit, ça va prendre trop ton temps. Oh, ça va, ça va. Ne te sens pas mal parce que tu as demandé à l'autre personne mieux, à ask for better. Je demande une meilleure vie. Mes deux premiers enfants, je les ai faits dans la pauvreté. Quand ils traversaient toutes ces galères, j'ai dit que troisième, quatrième enfant, tout, peu importe, ils ne vont plus souffrir. Il ne faut pas seulement décider ou dire. Tu t'assois, bonjour, tu planifies, tu fais un plan. Tu mets des projets sur pied.
Et tu ne peux pas arriver là où tu n'as pas vu. Donc ne t'en veux pas parce que tu désires mieux que ce qu'on t'a donné. Quelque chose en moi veut une meilleure vie. Quelque chose en moi, je ne sais pas, mais something inside of me. Quelque chose en moi me dit, ma chérie, tu peux. Et ces gens-là connaissent votre potentiel. Bonjour. Ces gens connaissent. Ils savent que la femme, si elle est puissante. Je lui ai donné ma petite boutique. En 2 ans, elle a transformé la boutique là en un supermarché. Et j'utilise ça toujours pour la contrôler. C'est moi qui avais mis le fonds de commerce. Donc si je la laisse croire qu'elle peut, elle peut se retrouver demain. Elle met sur pied sa propre entreprise et ça marche. Une fois, une femme vient à mon bureau à Douala. Elle me dit, elle est mariée avec un homme depuis 11 ans. Ça fait au moins 8 ans qu'il est parti aux États-Unis. Il est arrivé là-bas. Il a laissé 2 enfants au pays avec la dame. Et il a mis la femme chez eux dans leur maison familiale. La seule chose qu'il a comme excuse, c'est que tu es dans notre maison familiale. Donc il ne lui envoie jamais l'argent. Comment un homme va se mettre en Europe pendant 8 ans? Tu n'envoies pas 5 francs à ta femme et tes 2 enfants. Elle se débrouille, elle se défend comme elle peut. Et dans son mauvais cœur, le monsieur a toujours voulu faire. Tu vois, j'avais fait genre, oui, je suis avec toi. Je vais épouser telle femme pour faire les papiers seulement. Hein. Après, se rend compte que c'est la vraie, vraie, vraie relation, que ce n'est même pas la fête des papiers. Après, quelque chose fait, ça marche plus. Bang, ça se gâte. Maintenant, elle a trouvé, bonjour Cassandra, elle a trouvé donc, ça fait peut-être 2 ans, un réseau où elle devait faire ses papiers et partir au Canada. Légalement, elle est encore mariée avec qui? Elle dit que ça fait 2 ans qu'elle demande l'autorisation à cet homme-là. Il ne donne pas, il ne signe pas. Deux ans. L'homme-là connaît que si les pieds de la femme-là touchent le Canada, ce que lui n'a pas fait en 8 ans là-bas, elle va faire ça en 6 mois. Il connaît. Et il y a des personnes que ils aiment savoir que tu es toujours dans le trou. Que tu es donc like, you know, I have a leverage on you. I hold you with something. Que là où tu es là, j'ai un petit boulon qui n'est pas appuyé, ça gâte tes choses. Elle est là. Elle n'est plus revenue depuis là. Elle m'a dit que ma chérie, c'est ta vie, non? J'ai conseillé comme je pouvais. Elle dit, si tu peux écouter, tu écoutes. Si tu peux écouter, tu écoutes, ma chérie. Mais c'est toi et tes enfants, vous allez souffrir. Il peut se retrouver aux États-Unis, la vie fait ses enfants. Il se tape 2, 3 enfants là-bas, il fait, attends un peu. Ne vous sentez pas mal de désirer mieux que là où vous êtes. Parce que le changement vient d'abord avec un désir. C'est le désir qui est la fondation, qui est the push. Je veux, c'est ça. Je veux devenir avocate. Tu cherches maintenant l'université, tu cherches, tu trouves, tu déposes ton application, tu attends. Bonjour. Quand on accepte, tu te lances 4, 5, 6 ans, 7 ans. C'est commencer avec un désir. Je dis encore, ne vous sentez pas mal parce que vous désirez mieux.
Parce que tu as vu un futur meilleur demain. Et le truc aujourd'hui, c'est qu'on a des femmes qui travaillent sur elles. Mais en contrepartie, les hommes ne travaillent pas sur eux. Connaître sa mission, connaître comment faire ceci, toutes ces choses-là, ça s'apprend. Personne n'est né avec, les connaissances de ses objectifs. Personne n'est né avec... Non, on apprend. Il y a les livres. Tu vas voir des femmes qui vont te dire que chaque mois, j'achète un livre. Tu vois, une femme va investir son temps, elle va s'asseoir, elle va écouter. Il y a très peu d'hommes qui sont en train de me regarder actuellement. Je demande de commenter, je dis que mettez femme ou homme. Vous allez voir le nombre de femmes qui vont s'écrire, c'est là que femme. Et le nombre d'hommes qui vont mettre homme. Allez-y un peu, vous allez voir. Pour 5 femmes, il y aura un homme, mais c'est même petit. Voilà ça, femme. J'attends un homme depuis là, je ne vois pas. Facebook et TikTok, je n'ai pas encore vu homme depuis là. Vous n'avez pas me dit que tous les hommes n'ont pas l'air, on les doit occuper quand même. Et je ne pense pas qu'un homme ici là va venir écrire femme. Depuis, il n'y a pas encore vu un homme. Voilà, mais monsieur Henri, bonjour. Monsieur Henri, le seul homme de la situation, n'écrit pas plusieurs fois, j'ai été vu. Il écrit homme plusieurs fois. Tu as écrit 3 fois, monsieur, tu as triché. Oh my God. Oh yes. Vous m'abusez souvent. Sur Facebook, il n'y a même pas d'homme. J'ai 100 personnes sur Facebook qui me regardent. Il n'y a même pas un homme parmi. Tout là, depuis que femme. Bon, sur TikTok, il y a 3 hommes. Hey Kevin, le seul homme de Facebook, ouais. Oh, Seigneur, vous me faites rire aujourd'hui. Oh là là. Vous savez, quand un homme demande le respect, monsieur Nimbot, simplicité, futur, un homme, oui. Le respect ne se demande pas. Je me rappelle, je sortais avec un homme une fois. Et il aimait toujours me dire, tu ne me respectes pas. Je lui disais toujours que le respect ne se demande pas. Le respect ne se demande pas. On ne dit pas respecte-moi. Même avec les employés. Si tes employés te manquent de respect, ce n'est pas un respectez-moi. Le respect ne se demande pas. Ça se mérite. J'ai vu des hommes, rarement, mais j'ai vu la façon dont il cherche à s'occuper de sa famille. Tu prends son enfant, tu fuis avec l'enfant. Il te cherche, il est devant ta maison chaque jour avec les boîtes de yaourt. Ouais, je veux voir l'enfant, maman. Il fait même le dépôt OM dans ton compte directement. Il dit que même si je ne peux pas voir l'enfant, prends quand même. Je dis, ouais, pardon, je peux voir l'enfant aujourd'hui. Elle fait ses manières. Tu vois le jardin là, tu tires le chapeau que papa. Un homme, c'est quelqu'un qui sait faire la part des choses. Et je sais que ce n'est pas seulement dans mes rêves. Je suis pas en train de rêver. I'm not just dreaming là. Je suis pas en train de rêver. Parce qu'on est dans une société aujourd'hui où sur 10 hommes que tu rencontres, le pourcentage est même faible. Je ne peux pas te dire que 1. On va monter jusqu'à 100 pour te dire que sur 100 hommes, il y a 3. Et quand ils parlent de ces valeurs, ils comprennent. Et ne donnons pas l'excuse que mes parents ne m'ont pas appris. Parce que tout s'apprend. Tu peux apprendre à devenir un homme responsable. Aujourd'hui, les hommes ont la tâche facile. Tu grandis, une femme vient vivre avec toi, tu n'as pas. Tu peux même t'installer chez elle. Tu ne connais pas ce que c'est que de doter la femme. Bonjour, matin. Tu ne connais pas ce que c'est que. Tu ne connais pas. Tu te lèves le matin à préparer. Tu ne te lèves pas parce que, ouais, chérie, voilà l'argent. Non, tu ne sais pas qu'il faut sortir l'argent peut-être pour grassonner.
Non, non, non. Elle a déjà fait. Ce n'est pas parce qu'elle a fait que tu vas laisser. Ce n'est pas parce qu'elle a fait que tu vas laisser. L'autre jour, une femme me dit, je suis fatiguée. Elle est morte, je suis malade. Même si je suis enceinte, je dois me lever, aller bosser. Parce qu'il est en chômage actuellement. Je m'occupe des enfants, je m'occupe de la maison, je m'occupe de tout, tout, tout. À 23h, il vient dire qu'il veut faire l'amour. Quand il lui dit que je suis fatiguée, il se fâche. Il me dit, j'ai craqué. J'ai craqué l'autre jour. Tu dors, tu te réveilles à 11h. 11h, ta femme est debout depuis 5h30. Avec la maladie. Tu t'inquiètes, pardon. Il y a un laisser aller là. Ça traumatise même mentalement. Et le truc, c'est que quand tu es dans ça, quand tu vis ça, c'est une sorte d'abus. Ça, c'est de l'abus carrément. It's abuse. Et tu as déjà accepté. Fin du mois, c'est toi qui paie les factures. Il se place même comment pour venir te dire que donne-moi l'argent pour faire telle chose. Hey! Hey! Jesus! Vivons seulement, vivons, vivons. Je préfère que tu aies essayé, ça n'a pas marché. Et chaque matin, tu te lèves, tu essayes. En Afrique comme en Europe, j'ai pas encore vu un homme. J'ai un monsieur qui est venu dernièrement pour que je travaille sur lui. Il est venu de Maine, je ne vais pas préciser le pays parce que je vous connais. Il me dit, à un moment, dans sa vie, ça allait tellement bien. Sa femme roulait en Range Rover. Lui-même, il avait aussi une autre grosse voiture. J'ai oublié le nom de la marque. Elle avait un bon boulot. Lui-même, il s'est fait dans le domaine médical. Il avait un bon boulot. Tout allait bien. En l'espace de 3-4 mois, tout a craché dans sa vie. Tout est tombé. Perdu le boulot, perdu sa voiture. Sa femme même est partie avec les enfants. Il s'est retrouvé dormir sur le sol de la maison de son ami. Il a mis un petit matelas gonflable. Et dans son histoire qu'il racontait, il me dit qu'un jour, dans la nuit, le matelas gonflable sur lequel il dormait s'est percé. Et le jour-là, ses enfants étaient venus le visiter. Il se réveille, il se rend compte qu'il est couché à même le sol avec ses deux enfants. Parce que le matelas était dégonflé. Il me dit que c'est là que j'ai compris que j'ai touché le fond. Il dit qu'il est pendant la période, il n'avait pas de travail. Il a un ami qui avait une plantation. En Ben là-bas. Un ami blanc. Son ami lui a dit, ah, si tu veux, tu viens travailler avec les ouvriers. On sait qu'il partait, il travaillait avec les ouvriers, on le payait à la journée. Comme les pambés là. Vous savez les pambés, non? Les pambés au pays, c'est les gens qui aident au champ là. Tu le payes pour la journée, il t'aide au champ. Voilà quelqu'un qui était le corps médical. Il y a cela 6 mois, 8 mois, il roulait en Range Rover. Mais il se levait, il partait toujours faire. Il dit que je n'ai jamais abandonné. Un autre va te dire, moi, je n'ai pas trouvé. Moi, je veux le boulot de manager. Mon père, tu es à Washington. Tu veux le manager. Le manager. On t'a proposé d'aller nettoyer le sol. Tu as refusé. Moi, je ne peux pas faire ça parce que j'ai déjà... Ok. Tu maîtrises, non? D'accord. L'arrogance, là, alors, c'est quelque chose qui m'a toujours gagné. Je dis toujours... Le bailleur n'en a rien à foutre de ton état d'esprit. Viens un peu dire à ton bailleur, j'ai perdu mon boulot. J'étais malade. J'étais ceci. J'étais cela. Ton bailleur n'en a rien à foutre. Ah. Prochain point, vous devez connaître votre vision et raffiner votre vision. Parce que si tu ne connais pas là où tu pars, toute destination va te paraître comme ta destination idéale. Genre, tu restes et te dis, ah, tu rencontres un homme, il est beau. Avec mes 3 enfants, c'est là, un homme ne s'est jamais intéressé à moi en 5 ans. Comme celui-ci s'intéresse à moi, ah, partons aussi avec lui. Te voilà, hein. C'est tout pour toi là-bas. Hein, ma chérie.
C'est pas bon. J'ai été en consultation une fois avec une dame. Elle me dit, quand son mari l'a rencontrée, enfin, pas c'était plus son mari à cette époque, elle a été avec un homme une fois. Il lui disait, parfois qu'ils ont des problèmes. Il dit, tu as même la chance, hein. Je t'ai rencontré avec tes deux enfants là. Et t'as accepté comme ça. Hein? Il dit, mais il te fait une faveur. Si tu ne connais pas ta valeur, tu vas croire qu'on te fait une faveur en étant avec toi. Ça rime un peu bien. Parce que tu ne connais pas ta valeur. Tu dois connaître ce que tu veux, ma chérie. Et ce n'est même pas connaître ce que tu veux. La valeur de quelqu'un se développe avec ce que tu mets dans toi. C'est un peu comme si on dit, voilà, je vais prendre l'exemple de la nourriture. Tu prépares la nourriture, la sauce, tu mets le moonga dedans, le poisson fumé. Une autre personne prépare, vous avez à manger la nourriture des Nigériens. Le Nigérian va te mettre tous les obstacles possibles dans la nourriture. Le poulet, le bœuf sous plusieurs formes, mais les pattes de bœuf, la chair du bœuf, les tripes de bœuf, le poulet fumé, la dinde fumée, le poisson fumé. La différence entre les deux sauces, c'est quoi? Une sauce, on a mis une seule chose. Une autre sauce, on a porté plus, on a mis. Se connaître, hein, ça veut plus dire ce que tu as déposé en toi. Je veux changer un peu la façon. Parce que parfois, quand vous suivez les gens en ligne, les gens vous disent que non, tu dois te connaître, ma chérie. Ma chérie, je dirais, tu dois investir en toi. Achète les morceaux de viande que tu viens mettre dans toi, au sens figuré. Me suivez. Investis en toi. Lis les livres qui vont te cultiver. Là, tu es en train de m'écouter, c'est en train de séparer tes pensées. Tu aurais pu être sur TikTok, en train de regarder autre chose, en train de rire, en train de regarder des gens qui se plaignent. Tu as décidé de prendre 30 minutes pour prendre quelque chose, mettre dans toi. Donc, quand on dit de connaître ta valeur, ça a plus à voir avec le fait de connaître, ajouter à toi, ajouter. Parce que quand tu vois une femme, elle est ministre. Tu vois une autre femme, elle vend les trucs en bordure de route. Une a pris du temps, une avocate, elle a pris du temps. Elle a pris les choses, elle a mis dans elle. Voyez un peu, voilà la voiture. Quelqu'un qui vend la voiture. Jésus sortit souvent avec des hommes qui aimaient beaucoup les belles voitures. Donc ce qu'il faisait, c'était quoi? Il prend la voiture, ils appellent ça tuner, il va tuner la voiture. Moi, personnellement, c'est pas mon dada, donc moi, tu vois la voiture. C'est ma soeur dedans, ça conduit, c'est bon. Il va te dire, je veux les chaises en cuir. Je veux les jantes en alu. Je veux les ceci. Et à l'époque, je travaillais chez Jaguar Land Rover à Birmingham, en Angleterre. Je me rappelle là-bas, il y avait même des options que quand tu prends, on augmente sur la voiture. Tu peux acheter une voiture qui vaut 60 000 pounds. Tu te retrouves en train de payer 70 000 pounds, 75 000 pounds. Parce que tu as augmenté les options sur ta voiture. Augmenter les options sur vous, mesdames. Parce que ce qu'on a souvent en ligne, c'est quoi? Les gens vont venir dire, non, tu as déjà tout en toi, tu as déjà tout. Oh, tu as déjà tout. Non, non, non. Ce qui est en toi doit être raffiné. Et ça demande du temps. Reste que ça prend des formations, tu t'assois, tu fais. Tu dis, tu vas en ligne. On est dans un monde, dans l'ère où tout le monde est autodidacte. J'ai appris à faire ça. J'ai assisté à telle conférence. J'ai fait ça. Ça ouvre ton esprit. Le petit truc qui était en toi, là, ça grandit. Donc, gardez l'image de la sauce qui a une viande et la sauce qui a 15 différentes viandes. Augmenter. Ajouter. Il y a même le voyage. Quand tu vois une femme qui a voyagé, une femme qui n'a pas voyagé, bah, vous êtes différente. Ne laissez pas quelqu'un venir vous dire que vous n'êtes rien. Ne laissez pas quelqu'un venir vous dire, ah, tout ça va même donner quoi?
Vous devez connaître votre vision. Vous devez aussi connaître ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Parce que vous aurez des gens qui vont revenir sous différents prénoms. Je m'appelais Jérôme. Maintenant, c'est plutôt Cédric. Les deux ne connaissent pas ce qu'ils veulent. Cédric ne connaît pas ce qu'il veut. C'est la même chose avec Jérôme. Et il y a des personnes que tu n'es pas censé, tu n'es pas leur sauveur. Le syndrome du sauveur sauvé là. Il y a des personnes qu'en voulant les guérir, tu deviens malade. En voulant sauver la personne, tu deviens malade. Monsieur l'ancien, je ne pense pas que tu as besoin de moi. Vous me laissez. Vous aimez venir distraire les gens sur TikTok, c'est là. Tu dois savoir ce que tu ne veux plus. I am done with this kind of person. I am done. Je ne retournerai plus dans ce genre. C'est fini. La prochaine fois que tu vois ça à distance, je suis venu au marché pour acheter, mais c'est pas ça que je venais acheter. Oui, madame, prenez, non, c'est moins cher. Oui, madame, c'est disponible maintenant. Oh non, je peux faire ce que je vais attendre. On va me livrer dans 2 semaines ou dans 1 mois. Parfois, tu vas pour acheter la voiture. Les voitures qui sont tunées, qui ont les meilleures options, ce n'est jamais disponible sur le champ. Hein. Tu commandes, tu attends, on fabrique comme tu veux. Tu as déjà payé cette, mais tu attends. Le truc, c'est que vous ne forgez pas votre esprit. Je m'en fous de votre opinion. Parfois, tu restes, tu tiens compte de l'opinion de tes employés, même. Hein? Tes employés. Tu restes comme ça là. Regarde la vie des gens qui viennent te conseiller ou la vie des gens à qui tu fais plaisir. Ça, c'est une erreur que j'ai fait l'année passée. Quelqu'un vient, ah, ça, c'est ma fille, c'est ma fille. Je vois les conseils que la personne me donne, ou je vois sa vie. Je ne peux pas me baser sur ça. Non. Tu dois voir tes résultats. Si je cherche à te faire plaisir, et je me stabilise, ou bien encore je m'assois sur ton standard, le niveau que toi tu as accepté. Mais non. Vous devez savoir ce. Know what you want. It's very important. You need to know what you want. And you need to know what you don't want anymore in your life. But the part of knowing what you don't want, it's so important. I've been there. You've done this to me. 3 times. I'm not going back there. Let me be single. J'ai pas encore vu quelqu'un qu'on a qui est mort parce qu'il était seul. Parce qu'il était célibataire. Il travaille sur ses rêves. Oh, arrêt cardiaque. Elle était seule dans son lit. Et la couverture l'a englouti la nuit. Parce que si elle avait un homme à côté d'elle, non, it doesn't happen. Tu dois t'éloigner des personnes qui ne sont pas des visionnaires. Je suis désolée, il y a beaucoup d'entre vous qui êtes déjà mariés. Les femmes mariées, là, ne m'écoutez pas. Je ne vous chasse pas de vos mariages.
Mais chez certains d'entre vous, il y en a parmi vous que votre, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous appelle. Something is calling. Bonjour Larry. Something is calling inside of you. Like, même dans le rêve, ça te parle. Ça peut être même un oncle qui est à côté de toi. Ça peut être, peu importe, un collaborateur. C'est même pas seulement dans les relations. Toute personne autour de toi qui veut, qui pense qu'il a le droit de parler dans ta vie. Ou de venir ouvrir sa bouche pour te dire que, ah, ne fais pas comme ça. Que pourquoi tu as fait comme ça? Si tu n'es pas un visionnaire, tu n'as pas le droit de parler dans ma vie. Si tu n'es pas un visionnaire, tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche pour parler dans ma vie. Tu vois quelqu'un qui n'a pas de vision. Même pour écouter, n'écoute pas. L'un autre point, prends du temps pour te guérir. Beaucoup d'entre nous, hein, on revient de loin dans les relations. La relation avec ton père, c'était une relation catastrophique. Avec ta mère, c'était vraiment inexistant parce qu'elle n'était même pas là. Tu as vécu dans les maisons, dans les foyers, chez les tantes, tous les oncles. Tu as traversé beaucoup de choses. C'était traumatisant. Et te voilà aujourd'hui. Tout ça est dans ta chair, c'est dans ton corps. Prends du temps pour guérir. La prière. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, hein, les vidéos que je fais, c'est... Et le fait d'aider d'autres personnes, ça m'aide moi-même, ça me guérit. S'il le faut, prends des thérapies. Vois un thérapeute, tu parles. Paye-le pour qu'il t'écoute. Guéris-toi. Moi, je me dis toujours, si je ne le fais pas pour moi, personne ne le fera pour moi. I owe it to myself. Je me dois cela. Je me dois de réussir. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour moi. Tu as attendu qu'un homme vienne t'aimer. Tu as attendu que quelqu'un vienne te donner. On ne t'a jamais donné. Ma chérie, tu as 45 ans. C'est quand qu'on va te donner? Quelqu'un vient, tu t'ouvres à la personne. Va parler à ton thérapeute, ma chérie. Ce que tu dis là, demain, quand vous aurez les problèmes, oh là là, Jesus is Lord. On va te recracher ça au visage. Tu vas dire, hé. Donc quand j'ai ouvert ma bouche pour te parler, là, c'était l'erreur. Parce que même la personne a aussi ses traumatismes. Et les noirs, on est traumatisé sur les générations. 5 générations en arrière, on est traumatisé. Les frustrations. Je suis une personne qui est en train d'évoluer. Donc quand je parle, on est tous en évolution. Personne n'a l'ultime sagesse. Et on grandit, on guérit. Plus tu guéris, plus tu es fort. Il y en a parmi vous, parfois tu as commencé un projet, tu abandonnes. Tu commences. Dès que quelqu'un vient un peu, te décourage un peu, comme ça, te dit un petit mot, bam, tu fermes tout. Tu fermes la page Facebook, là, tu enlèves TikTok, tu arrêtes, tout. Il y a les traumatismes à l'intérieur de toi. Il y a les frustrations. Quand tu t'ouvres, tu guéris. J'ai fait ça au moins pendant 4-5 ans. Dès que j'avais un petit choc comme ça, bam, dès que j'avais... je me mets en relation avec quelqu'un. Je suis en train de faire ça, les vidéos aussi. Après, quand on arrête la relation, oh là là, je commence à douter de moi. Voilà, si tu étais vraiment une femme, pourquoi? Si ce que tu, tout ce que tu dis aux gens, c'était vraiment ça. Pourquoi est-ce que cette relation s'est gâtée? Hein? Voilà, ce que tu dis n'est pas vrai. Ça commence dans ma tête, ça commence. Ça fait comme ça, je ferme la page. Il y a eu même au moins 3 fois, j'essaie de fermer, surtout la page Facebook. Parce qu'elle est plus ancienne. TikTok, ça fait 1 an, mais Facebook, ça fait au moins 6 ans. Je pars, je clique. Parce que quand tu cliques pour fermer Facebook, on te donne 14 jours.
Si en 14 jours, je n'ai pas réactivé, ça, c'est définitivement supprimé. Je reste, je commence à douter de moi, je me cache, je fuis. Après 3, 4, 5 jours, je me rappelle, c'était en 2019, c'est la dernière fois que j'ai essayé de fermer cette page. Je me suis levé, je dis que peu importe ce qui se passe, je ne fuirai plus. Il y avait des mois où je disparaissais pour 6 mois. Après, j'ai dit que je ne donne plus le droit à un homme ou une femme de venir dans ma vie et d'impacter ma mission négativement. Non. I refuse it. Si j'ai vu, j'ai commencé, I'm going to finish it. Je prophétise la guérison sur vous. Que dans cette période de votre vie, vous guérissiez. Que les traumatismes que vous avez qui étaient cachés depuis 10, 15, 20 ans, que ça remonte. Et quand ça remonte, que ça ne remonte pas, que ça remonte comme une énergie que tu dois libérer. Tu parles, tu pardonnes. Tu parles, tu libères. Et que ça te guérisse. Parfois, les gens me voient ici. Je vous dis, je ne suis pas parfaite. Hein. J'ai des problèmes. Oh. I got issues, man. I got issues. I know. I got issues. Je n'aime pas me présenter devant vous comme une femme qui est parfaite. Genre, ouh, comment tu as pu faire ça? Non, 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 non. Mm-mm. I got issues. But what I know is that I'm getting better. Moi, aujourd'hui, et moi, il y a cela 3-4 ans, j'ai beaucoup évolué. Et j'évolue encore. Donc, vous devez, la guérison pour vous doit être quelque chose que vous permettez. Allow yourself to heal. Permets-toi de guérir, permets-toi d'aimer encore. Parce qu'on va peut-être te trahir, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais faire confiance aux gens. Maintenant, le prochain point. Bonjour, Johanna. Le prochain point que je vais évoquer avec vous, je voudrais que vous sachiez que vous ne faites pas ça seulement pour vous. Vous le faites pour vos enfants, les enfants de vos enfants. Toute chose que tu refuses de guérir, c'est comme un démon que tu prends, tu mets dans ton armoire. Et l'armoire de cette maison-là, tu vas passer la maison-là à tes enfants après. Donc le démon sera dans l'armoire. Le jour où l'enfant arrive à la cuisine, il ouvre l'armoire, ça saute sur lui. Donc tu guéris parce que tu veux un meilleur futur pour toi et tes enfants. Il y en a parmi vous, par exemple, que les parents ne communiquaient pas. Ou ce genre de père qui est tellement dur, tellement strict là. Les pères qui sont peut-être officiers de police ou bien enseignants. Très dur. Tu grandis dans ce contexte. Tu fais des erreurs, tu tombes enceinte à 16 ans, tu... Wow, wow. Te voilà aujourd'hui, tu as tes 3 enfants à 35 ans. Tu commences ton processus de guérison. Quelqu'un arrive chez toi, il voit comment tu... Avec tes enfants, tu es différente. Tu dis, waouh. Ton père ne s'assied jamais avec pour parler de sexualité avec toi. Et toi, voilà, tu t'assois avec l'enfant de 12 ans, vous parlez. Tu es ouvert d'esprit avec l'enfant. Ta guérison est en train d'impacter la vie de ton futur adulte, de ton enfant. Pour moi, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire à votre enfant ou à vos enfants. Je vous assure. Et je le dis encore, ce ne sera pas parfait. J'ai des circonstances de ma vie où j'ai été battue devant mon enfant. Tu sors avec un homme, le jour ça guérable dans sa tête, il te tape devant ton enfant. Et quand je faisais ma propre guérison, je me suis demandé, est-ce que j'ai vu ma mère subir ça? Comment j'ai fait pour attirer ça sur moi? Quand j'y pense encore, je pense que j'ai un peu guéri de ça. Moi, j'aime être honnête et transparente, les hommes. I don't care. Et quand j'ai traversé ça, je suis ressorti de là, je me suis dit, waouh, ton mental va jouer. Voilà, tu as détruit la vie de l'enfant. Tu es mauvaise mère. Tu es mauvaise mère.
Vraiment, regarde, comment tu peux. Voilà, ça commence à. The chat start in your mind. Like, quand j'ai commencé à faire mes propres. J'ai commencé à faire des thérapies pour guérir, sortir de ça. Je me suis rendu compte que je ne pouvais que diminuer d'abord. Diminuer. C'est pas genre, tu vas pas résoudre ça, tu vas décider d'arrêter. Parce que ton subconscient est tellement fort que tu vas créer, même si dans 2 ans, tu vas encore créer une circonstance qui va te remettre dans la même position devant ton enfant. C'est pour ça qu'il y a des situations qu'on ne cherche pas à guérir ça extérieurement, à l'intérieur. Car l'ex, pour envoyer la dîme, tu envoies par. Tu es dans quel pays? Tu envoies par PayPal, sur Facebook, tu as tous les détails. Soit PayPal, soit Orange Money, soit tu envoies par. Tu vas sur le site www.reinelumiere.com. Tu peux aussi envoyer là-bas. Et pour moi, en tant que femme, maman, il n'y a pas plus traumatisant parfois, ou bien encore. Ça ne joue pas autant sur ta psychologie que quand tu as l'impression que tu échoues en tant que mère. Donc, si tu es au Cameroun, tu envoies par Orange Money. Ok? Tu envoies au 655 310750 si tu es au Cameroun. Il n'y a pas plus traumatisant ou encore plus. C'est un peu comme si tu es déjà traumatisé. Tu subis les effets d'un traumatisme. Ça vient encore te faire mal. Après, tu subis, ça te fait mal. Donc, si tu recraches, tu manges. Tu recraches, tu fais, manges. Ça te. It hurts you more and more. Mon contact est sur la page Lina. Le numéro de WhatsApp, c'est en lien dans ma bio. Tu cliques sur le lien Bit.ly là. Ça va t'envoyer sur WhatsApp. Donc, c'est le 00237. Donc, plus 237 693 50 22 66. Six 93 50 22 66, c'est ça le numéro. Donc, quand vous cherchez à vous améliorer, parce que quand ma mère a subi ces choses-là, je suis sûr que ma mère ne s'est jamais assise pour dire, il faut que je guérisse ça, il faut que je guérisse ça pour ma fille ou un truc comme ça. Mais c'est une bataille que moi j'ai commencée. On ne choisit pas nos circonstances dans lesquelles on est. Il y en a parmi vous, vous avez été traumatisé dans l'enfance. C'est pas, vous n'avez pas cherché. Vous êtes né dans ça, non? Tu es né dans ça. Tu vas faire comment? Maintenant, tu n'as pas choisi ton passé ou bien la circonstance dans laquelle tu es né. Mais à un certain âge, tu décides, je veux guérir de ça. I want to get better. C'est une décision active. Et crois-moi, quand tu décides de guérir, c'est là que tu vas avoir tous les problèmes qui vont encore remonter. Donc sachez que quand vous persévérez dans une direction, c'est pour créer un meilleur futur pour vos enfants. Il y en a parmi vous, vous n'avez pas fini l'école. Mais vous avez décidé que vos enfants vont, ils n'auront jamais de soucis d'école. Parce qu'à un moment, vous ne pouvez plus payer votre école. Maintenant, vous êtes en train de planifier les choses en avance pour vos enfants. Toi, peut-être quand tu avais 15 ans, tu voulais t'envoyer en Europe. Finalement, c'est à 25 ans que tu as même beaux-arts. Tu as appris les routes bizarres pour arriver en Europe. Tu es dans tes 45 ans, tes enfants sont nés en Europe. Tu as décidé que mes enfants ne traverseront pas ce que j'ai traversé. Et ils vont pas avoir de petites professions en Europe. Je mettrai le paquet pour que mes enfants deviennent des cadres. Je sais pas si vous voyez un peu la différence de pensée. Certains d'entre nous, en grandissant, personne n'a pensé à nous. Personne n'a pensé à notre futur. Un jour, on s'est réveillé, tu as eu ton éveil. Là où tu as dit que non, je vais donner le meilleur à ceux qui viennent. Soit j'ai porté, soit ceux que j'ai adopté, ça dépend. Donc, je déclare sur vous la détermination. La guérison. Je déclare que vous guérissez de tout mal-être. Et je déclare surtout que vous n'abandonnez pas. Bonjour Diop. Le dernier point que je vais évoquer avec vous, c'est que tout ceci que je dis, c'est très beau, c'est bien, c'est ça, c'est là. Mais ça demande aussi un changement de pensée. Vous allez devoir penser différemment de ce que vous faites depuis
Avant, tes pensées, c'était genre, voilà, ah, je vais même faire comment. Certains d'entre vous, vous êtes dans des maisons où vous ne pouvez pas déménager parce que vous avez peur de chercher une nouvelle maison. Tout changement se pousse, ça se force. Comme tu avais poussé pour que l'enfant la sorte là. Ma chérie, you got to push. Commentez, c'est là que je pousse maintenant. Je pousse. Je pousse. Pas que je vais pousser, je pousse. Je pousse. Tu dois penser différemment. Quand l'opportunité vient pour que tu acceptes seulement n'importe quoi, tu abandonnes tout ce que tu avais comme projet seulement pour venir t'asseoir à la maison. Quand ça va venir, tu dis non, je dois pousser. J'ai eu des situations où j'ai dormi dans ma voiture. J'ai eu des situations où j'étais presque sans abri. Pas que presque, j'étais sans abri. Parce que j'avais dit qu'au lieu de rester dans la maison là, je préfère être dans la rue. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai dormi, où le SAMU m'a logé quand j'étais en France. J'ai fait le 115, j'attends. Je porte le sac, je tire. Le lendemain matin, encore 8h, on sort de là, on passe à au McDo. Je m'asseyais au McDo avec ma fille, on prenait un menu. J'ai laissé la boîte du McDo devant moi, je faisais même 4-5 heures de temps dans le McDo. Parce que je savais que ça chauffait à l'intérieur. Je savais que il y avait, si j'achetais une petite nourriture, il y avait des menus à... Ils avaient un petit burger comme ça qu'on faisait. En Angleterre, c'était 99p. En France, c'était 1,50 ou quelque chose comme ça. C'était le plus petit burger là. Donc, quand j'arrivais là-bas le matin, ma fille, je lui ai acheté ça. Et j'achète aussi une petite boisson. La boisson était 1,50. Je savais que le maximum avait 3,50 € le matin. J'ai déjà assuré notre place au McDo pour la moitié de la journée. À une certaine heure, maintenant, je commence à appeler le 115. J'appelle, j'attends. Et c'est qu'au bout de 4-5 heures de temps, éventuellement, I'm going to get through. On va me donner quelque chose. Ce n'était pas facile. Parfois, le confort actuel dans lequel tu restes, it jeopardizes, ça handicape ton futur. Rien n'est jamais confortable qui en vaut la peine. Nothing that is worth living is comfortable. Rien de ce que tu vas voir demain va dire que waouh, ce n'est pas venu confortablement. Un moment tu as dû pousser, un moment tu as dû faire des trucs que tu as... Ma chérie, il y a des jours que quand le Samuel a nous logé, quand il est en train de dormir dans la nuit, je suis en train de réfléchir. Je suis en ligne, je suis en train de faire des trucs, j'apprends comment on fait telle chose parce que c'est que demain je vais aller faire ça pour me payer. Ça va me donner la nourriture pour demain. Tu dois changer tes pensées. Change your thoughts. Change the way you do things. Il y a certains dragueurs que quand tu décides même là, tu vas voir comme le nombre de dragueurs avec les belles voitures, les dragueurs que tu voulais depuis là, ils vont commencer à venir. Et quand ils viennent, c'est facile, non? J'accepte seulement et puis ils me donnent l'argent. Mais puisque tu as une vision, tu ne veux pas te compromettre. Ou bien tu ne veux plus te compromettre, tu veux sortir de ce système, tu ne veux plus ça. Quand tu vas dire non au départ, ce sera très difficile. Oui. Tu ne veux plus laisser l'enfant seul à la maison. Parce qu'il faut que tu sortes pour aller avec le monsieur. Oui. Le genre de monsieur qui peut faire payer la chambre d'hôtel à 300 €. Quand tu rentres, tu donnes 20 €. Je ne veux pas entrer dans le genre de dialogue là parce que... Les hommes là, eux-mêmes là, ils ont le noir cœur. Il va te faire manger au resto, il paye. Il fait quelque chose, il paye. Il part, il t'impressionne avec une grosse chambre d'hôtel. Il connaît que tu as l'enfant à la maison. Quand tu as parcouru toutes ces choses-là, après tu dis que c'est bon, je ne fais plus. Je croyais même que mon projet que tu as dit depuis là, tu devais même me sortir même 500 €. Tu vas quand même me dire que je vais te payer même le logement. 10 people, les gens n'en ont rien à foutre de toi. Hein. J'espère que tu sais ça. Ok. À bon entendeur. Ça demande un changement de pensée. Tu dois penser différemment.
Tu dois penser différemment. Mais surtout, tu dois savoir que tu peux. Tu dois savoir que tu peux. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Moi, je vous parle aujourd'hui comme j'aurais aimé qu'on me parle il y a cela quelques années. J'ai des moments où j'ai manqué une grande soeur à qui parler, ou bien une page où je pouvais voir quelque chose comme ça, un conseil qui m'aide pour la journée, qui me permet de rester dans ma direction, que j'ai décidé de ne pas accepter telle ou telle chose. Parce que éventuellement, ça va payer au bout. Ça va payer, ma chérie, ne te dérange pas. It's gonna pay. J'ai terminé le message que j'avais pour vous. Je prie sur vous la lucidité. Que la lumière du Saint-Esprit vous illumine. Je déclare que vous ne serez plus double-minded. Vous n'aurez plus deux. Genre, je veux, je ne veux plus. Je prie que le Seigneur vous donne d'être clair sur ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et je prie aussi que vous puissiez être focus. J'enlève les distractions. Je déclare que vos émotions ne vont plus vous contrôler. Parce que les femmes sont très émotives. Parfois tu restes, tu te sens seule dans le lit. Voilà, te voilà, tu vas aller partir. Ok, tu appelles tel homme. La prochaine fois, tu ne vas plus l'appeler. Tu ne vas plus l'appeler. Je déclare que vous êtes focus. Et que même si tu veux tomber, que tu te lèves. Recevez un esprit fort. Recevez un esprit fort. Recevez un esprit fort. Une détermination de caractère. Et que tout ce que vous avez vu comme rêve, visualisez que ça se réalise. Je vous assure, les rêves se réalisent. Quand je vois comment ma vie est aujourd'hui, je ne regrette pas mes sacrifices. Ne regrette pas. Et ça m'encourage encore plus parce qu'il me dit que si je peux vivre ça aujourd'hui, en ayant vu ça, car il faut que je voie encore aujourd'hui. Les missiles. Les missiles sont morts. Il me faut la longue vue, quelque chose qui est encore plus long que ce que j'avais avant. Parce que les rêves se réalisent. Je déclare, quels que soient les gens qui sont dans votre environnement, qui vous découragent, quelles que soient les personnes qui sont autour de vous, qui vous découragent, je déclare aujourd'hui que vous recevez la force de dire non à ces personnes, la force de ne plus partager tout ce que vous allez faire avec ces personnes. Et je déclare que personne ne peut vous détourner de ce que vous avez prévu de faire dans votre cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je mets sur vous la santé parfaite. Que personne ne vienne utiliser votre corps, votre corps. Qu'on n'abuse pas de vous. Qu'on n'abuse plus de vous. Après, oh, je me suis donné à toi. Je déclare que vous n'avez plus jamais sorti cette phrase. Personne n'abusera plus jamais de vous. Personne ne va plus vous utiliser et vous jeter au nom de Jésus. Je déclare que vous valorisez votre corps, vous valorisez votre temps, vous valorisez votre énergie. Et quand vous valorisez, je déclare que ça grandit. Est-ce que vous savez que l'abstinence, c'est une arme très puissante? Est-ce que vous savez ça? Parfois, on te fait le chantage quand tu acceptes même finalement de coucher avec la personne. Ah, ok. Pour qu'il soit content avec toi. What? Je déclare qu'on ne va plus abuser de votre corps au nom de Jésus. On ne va plus abuser de vous. Parfois, vous cherchez tellement à faire plaisir aux gens. Avec votre argent, avec ceci.
Finalement, avec ton corps, que votre corps soit le temple du Saint-Esprit. Et que ce temple attire autant. On apporte des offrandes, des dons dans le temple. On vient honorer un temple. Il y a des choses que vous avez commencé à remarquer dans votre entourage, que quand vous avez commencé à faire, que je m'abstiens de ceci, je ne parle plus n'importe quoi, n'importe quelle pensée ne sort plus de ma tête. Mon corps là, c'est plus n'importe qui me touche. Tu vois, Wanda, que tu veux quelque chose, ça vient. Tu parles, tac, on te donne. Tu prévois quelque chose dans la journée, on t'appelle même pour dire que ah, tu veux encore. Ah, mais j'ai pensé à ça ce matin. Oui, ta pensée a attiré vers toi. Je restaure votre pouvoir d'attraction. Je restaure vos dons spirituels qui ont été perdus dans les relations que vous avez eues. Il faut faire un rite de purification avec le sel. Achetez le, ceux qui sont achetés le sel rouge et le sel abondance. Ceux qui ont eu le blindage là, quand vous avez fini, vous allez vous poindre avec ça. Ça fait partie des produits que je vends. Mais plus le sel rouge, si vous n'avez pas le rouge, utilisez le normal. Là, c'est le dernier recours. Faites ça avec 3 jours de jeûne et vous lisez le psaume 51. C'est un psaume de purification. Recevez la force. Ne dites plus encore que Seigneur, donne-moi. Je dis que je reçois. J'ai beaucoup enseigné, même ce matin encore, j'enseignais là-dessus. L'importance de parler de façon correcte. Ce que tu dis, tu ne supplies pas Dieu. Tu prends ce qu'il a déjà fait disponible pour toi. Voilà. Voilà. Ok. Je vous remercie. Que mon message puisse porter et vous aider, que ça vous fortifie. Que vos anges continuent de vous protéger, de vous guider, de vous inspirer. Que vous ne soyez pas distrait du plan de Dieu pour votre vie. Que vous puissiez inspirer d'autres personnes aussi. La force que vous venez de recevoir, que vous puissiez la passer à d'autres personnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc on continue le jeûne aujourd'hui. On va arrêter le jeûne demain. Donc on continue le jeûne aujourd'hui. Bonne journée à vous. Les contacts sont sur la page, ceux qui viennent d'arriver. Et abonnez-vous à la page YouTube aussi. Ma page, c'est sur la bio. Abonnez-vous sur YouTube. Là-bas, je partage les vidéos tous les jours. Parce que les directs de TikTok disparaissent. Donc, on ne peut pas les voir après. Ok. Bye bye.